plus mon lapin. Je sais que tu vas manger, mais t'as déjà eu à manger, mon amour. Donc t'auras pas encore à manger. J'y vais, mon amour. D'accord. J'y vais. Oui, t'es le plus beau. Elle va plutôt t'amuser dehors. Adieu, petit chat. Hello. J'ai vu sur la météo qu'il pleuvait, j'ai trop peur. Est-ce qu'il pleut? Non, ça va là. Apparemment, il va pleuvoir aujourd'hui. Je suis trop excitée d'aller au concours. Bon, je suis super stressée en même temps, mais je suis trop excitée. Il est 6h45, donc ça va, on n'a pas eu à se lever trop tôt aujourd'hui. Départ 7h45 et rendez-vous 7h15. Si vous saviez à quel point j'aime faire du vélo. Pour l'instant, ça va, je ne sens pas trop de gouttes. Oh, je suis trop excitée. J'ai quand même une petite boule au ventre, parce que ça fait quand même un mois que j'ai pas fait de concours, donc j'ai un peu l'impression d'avoir oublié ça. Je suis super contente parce qu'il y a Léa et Mathilde, et plein d'autres gens trop chouettes. Je vous avoue que c'est assez bizarre de revloguer après un mois. Hier, je voulais faire un vlog d'ailleurs, mais j'ai pas pu parce que j'ai eu un problème avec ma carte SD, et je n'avais pas d'autre là où j'étais. Du coup, bah, j'ai fait un petit vlog TikTok. C'était trop bizarre à refaire, alors qu'à la base, je me rappelle que j'adorais faire que ça, quoi. On va encore aujourd'hui avec Versailles en concours, et je trouve ça plutôt cool parce que j'ai l'impression que c'est comme si j'avais une deuxième chance pour rattraper mon parcours de la dernière fois. Et entre nous, j'espère que la globalité, elle sera encore sous-cotée. La dernière fois que j'ai sauté avec Goldie, ça s'est très bien passé. Elle était hyper d'attaque et tout, j'ai confiance en ce concours. Comme dirait Léa, on se croirait à Punta Cana. Hier, j'ai oublié de changer mes chaussures, du coup, je dois ramener mes bottes. J'ai pas eu le temps de les nettoyer, enfin non, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas eu envie de les nettoyer. Il commence à pleuvoir, mais comme on dit, concours pluvieux, concours heureux. On dit ça pour les mariages. Hein. On détend à l'intérieur et on saute à l'intérieur. Il y a juste pour préparer qu'on sera... Bah non, même pas préparé, on sera dans le camion, donc ça va. Et j'ai oublié de dire un truc, aujourd'hui nous sommes le 8 janvier et le 8 janvier c'est l'anniversaire de Mathilde et Sligo. Du coup bah Matou, je te fais un gros bisou et très joyeux anniversaire. Et bah on arrive tous en même temps à l'écurie là, c'est trop cool. Salut. Salut ma puce. Oh non c'est flou. Charlotte, ça va? Ah, je suis trop de bonne humeur là, j'ai envie de soulever les oreilles de tout le monde avec ma bonne humeur. Salut! Les gens ne sont pas prêts pour ma bonne humeur d'aujourd'hui. Good morning everyone. On n'avait pas pris un coup de la pluie. Ah oui, mais j'ai laissé le box de Goldie ouvert. Merde. Puis le matin, elle se barrerait bien cette grosse. Bon, je deviens un peu stressée, je crois que je vais la remettre dans son box finalement. Si d'un coup j'ai une envie frénétique de pioter, je vais quand même prendre mes élastiques. Ouh, tu lui as fait une petite tresse, il est trop beau. Oh putain, sa mère, il pleut. Le camion n'est pas à la même place que d'habitude et la dernière fois qu'ils l'ont mis là, Goldie n'a pas voulu monter mais c'était pas avec moi. Oui, j'arrive. Ah,
la plus grande place dans le cadeau. Ouais, et Goldie elle arrive après. Et Goldie Fuchsia va se faire foutre. Non, Fuchsia elle a fait un. Comme ça. Parce qu'elle était toute seule pendant genre 5 minutes, ça fait 5 minutes qu'elle est dedans. Donc du coup elle paniquait. Elle m'a envoyé un coup de boule sur le balcon. Et donc du coup j'ai un moyen que j'ai une deuxième lèvre qui. Bah là t'as une petite tache rouge. Ouais, bah voilà. Parce que genre elle s'est jetée sur le balcon, j'étais à côté en train de lui faire des gratouilles. Et donc du coup je me suis dit au balcon comme ça. On va pas mettre Mathilde en train de râler. Le cheval il va pas prendre l'avion, hein, il va hyper faible. C'est la voiture de qui du coup, Matou ou Léa? Matou. Matou. Ah, Matou mobile, tu veux pas dire qu'on part un jour, hein. Coucou toi, bonjour toi. T'as la plus grosse boule de poney que j'ai jamais vue de ma vie. Ouh, ouh là là, on dirait un teenager. On dirait un teenager. La puce. La puce. Ah bah voilà le point. Il y en a beaucoup. On dirait un canard. Bon les gars, on va dehors. Ouais. Ouais, c'est vrai, moi aussi je me suis trop couverte, c'est aussi chaud. Ouais, moi aussi j'ai trop chaud, j'ai pris un bonnet et tout. Nous avons le boule de Cricri. Ah, Marie, elle a hésité, là il pleut. C'était là du coup qu'elle avait galéré à monter Goldie, non? Oui. Parce que le camion était là. Oui. Ouais. Mais il y avait plus de lumière. Ah non, il y avait plus de lumière. C'était la première fois qu'on embarquait dans ce sens. Ouais. Elle a fait pareil. Hein. Ah ouais, ouais. Les puces, elles avaient peur. J'ai deux filets à foin maintenant. Parce qu'en fait, Manon m'en a acheté un quand elle était en vacances. Et Elena m'en a offert un la semaine dernière. Donc t'es passé de 0 à 2. Voilà, à 2. Mais j'avoue en avoir recommandé un parce que j'aimais tellement celui de Sacha. Celui qui a un grand dedans. Non, le grand avec des petits carreaux. Et en fait, il est beaucoup plus facile à remplir à la poubelle avec. Et il est beaucoup plus gros. Parce que ça reste des petits filets à foin là. Et puis tu sais, c'est des gros carreaux. Donc du coup, dès qu'il mange, après il y a tout qui tombe par terre. C'est chiant dès qu'il est plus dense. Alors, comment vous sentez cette journée de concours? On verra. Mathilde, elle vient de dire on oublie quelqu'un. Non. Waouh. Waouh. Avec la pluie, c'est trop beau. Waouh. Allez, en voiture, Simos. Non, mais la pluie, là. Ouais, ça fait tout flou. Je tiens à dire que c'est le premier vlog que je fais sous la pluie. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ta caméra est waterproof. Ah ça j'en suis pas sûre. Tu sais sur les films ils ont des sortes de petites capotes de pluie là pour les caméras. Nous revoilà pour une magnifique et belle journée de concours. Ça commence bien. Attends, mais je vais pas mettre là ma voiture. Léa, toujours pas trop stressée en concours. Hein. Oh si, j'ai peur. Wow. T'as peur là? Bah oui, je suis la clobin. Jamais non. Là, la plus. Mais si. C'est pas la hauteur, c'est les doubles. Voilà. Par contre, j'ai zéro motivation. Ouais, moi aussi, je sais pas comment faire un concours sous la pluie. Moi, j'ai jamais fait. Comment faire un concours sous la pluie? Non, mais je rigole pas, moi, j'ai jamais fait. Comment bah, faire? Bah, on reste dans la voiture. Mais j'ai trop le seum là. On voulait pas qu'on aille manger un petit poisson dans la voiture. C'est reco. C'était quoi ce bruit? Alors. Moi, je suis dans les dernières à chaque fois. Mais et on est beaucoup en vrai dans nos épreuves. Hein. C'est reco au premier en piste ça. Le planning, c'est toujours premier en piste. Donc du coup il faut compter 30 minutes avant la reco. Non mais de toute façon on fait la reco vite fait et après on va boire un petit café. Yes. Ah. Tu veux du café toi aujourd'hui? Non. C'est moi qui vais boire le café. Franchement des fois pour nos cavaliers, pour les gens comme moi qui au paddock tombent que sur des fous furieux. Ouais. Il faudrait des fois dire des trucs. Hein. Oui, parce que quand la meuf elle te fait 18 queues de poisson, tu lui dis écoutez, est-ce que vous pourriez dire à votre cavalière de faire un peu attention aux miennes? Genre ça coûte rien. Surtout qu'en plus, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on se fait gêner et par contre, il nous dit ouais, Julia, c'est bon, tranquille, c'est pas grave. Mais oui, reste zen. Hein. Mais après, quand même, j'ai déjà entendu te prendre des trucs dégueulasses dans la gueule de la part des autres coachs et reste super cool et courtois, tu vois. Et je pense quand même qu'aller monter les barres dans les paddocks, ça va pas être super facile quand t'es coach. Entre tout qui est les cavaliers stressés, les coachs insupportables qui pètent plus haut que leur cul. Bon du coup on fait quoi là les meufs? Bah Jérôme il est là-bas donc de toute façon... Ah les premiers arrivants. Tu veux que je te mette le truc de buée qu'on voit bien? Ah bah non mais tout droit. Putain mais il va tout droit.
Mais les chevaux là, c'est les montagnes russes. Hein. Ouais, oh, voilà. Putain. Mais il y a un trou, on est d'accord. Mais oui, c'est pour ça que j'ai dit. Il a fait comme ça. Biou, biou. C'est pour ça que j'ai dit. Là, il est coincé tout droit. C'est fini là. Ah, mais c'est comme là, c'est ça? Oui. Oh, mais la panique. Parce que celui-là, tu le pousses pas. Hein. Et elle a fait un de ses tout droit. Et en plus, le camion, il a vraiment fait. Oui. Ouais. Ils vont décharger là, quoi. Bah oui, ils vont décharger là, ils ont pas le choix, non? Que les chevaux, ils se cassent, parce que. Bah oui, ils vont. Oui, voilà ce que j'allais dire. Ouais, bah ouais, moi je paniquerai un peu, ma bise de lui. T'as vu, on voit plus ses genoux quand il est dans la descente, genre regarde. Ouais. Oui, c'est pas dit qu'en enlevant. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Quoi? Oui, ils viennent d'abandonner un gosse dans la voiture, quoi. Tu fais ça en Australie, t'as les filles qui débarquent 10 minutes après. Hein. C'est vrai. Ouais, t'as pas le droit de laisser. Même pour prendre un takeaway, tu vois. Les chevaux, ils sont en mode pourquoi on a essayé de décharger ici, quoi. Si à la recou, ils nous appellent quand même, Jérôme. Hein. Rappelez-vous, la dernière fois, j'ai reçu le SMS de Jérôme, genre 30 minutes après qu'il me l'a envoyé. Donc. Et elle arrive à la recours. Ah, vous retard. Avez pas commencé? D'ailleurs, ils sont plus là, je pense qu'ils sont allés tous. Bah, y'a plus personne? Bah non, là, ils sont plus là. Ah, sympa. Autant moi, tu vois, ils se méfient, ils m'envoient des messages, mais autant vous, je pense qu'ils considèrent que vous savez quand vous devez sceller, quand vous devez être là, quoi. Non, mais c'est vrai. Ils devraient pas. Enfin, quoi que. Attends, mais moi, Léa, j'aurais peur aussi, hein. Moi, il va me dire d'aller sceller déjà maintenant. Oui, parce que sinon, Léa, elle va s'y prendre 5 minutes à l'avance. Ah bah voilà. Y'a Gégé qui appelle. Allô? Oui, bah oui, on arrive. On arrive. Aïe. Oh pardon, tu t'es pris la caméra. Qu'est-ce qui... Pauvre Léa, elle s'est déjà pris un coup de fuchsia et maintenant je lui ai mis un coup de caméra. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, on prend nos sous, nos sacs et notre cahouette. Comment on va encore être à la banque? Je vous rappelle que le commandant dans le service. Ah non, mais attends, arriver sur un concours, il n'y a pas de café de croissant, c'est un scandale. 9h, c'est dans 26 minutes. Non, mais ça, même... c'était la dernière fois. Alors, j'espère que vous avez tous admiré la beauté de mon poney sur mon fond d'écran. Je crois pas que ce soit ouvert, en plus. C'est trop fou. Attends, j'ai fait un zoom. Ah oui, il y avait un zoom. Perro, j'ai vraiment peur. Je tremble. Ouh, Mathilde la coquine. On ne se moque pas des hauteurs des autres, Matou. Je vous zoome sur vos yeux. Le chiant en indoor, c'est que les obstacles, ils sont sautés souvent deux fois, en fait. Exactement. Et donc, pour Julia, dans qui un se sens trouve dans de parcours, c'est pas top. Non, mais un jour, j'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Un jour, j'arrêterai de regarder le plafond. Regarde. Mais non, c'était trop bien. Le 11 et le 7, c'est le même. Ah, il y a de la musique. Oui, il y a de la musique pour une fois. Mais elle est pas très forte. Non. Et tu sais que la dernière fois, sur le parcours, le gars qui était sur la piste, il m'a fait: vous avez été cloché, vous pouvez y aller. Hein. Ah, t'entendais pas la cloche? Mais non, j'entendais pas la cloche. C'est pourquoi. Et action. On fait comment et sur bien les bras comme ça. Faites pas ça parce que sinon vous faites une barre, vous l'avez dans le bip. Tu es combien? 5 et 3, ok. Et attends, pourquoi t'as mis Putain, pourquoi il y a un panneau là, GG? Il y a un panneau parce que c'était pour penser au changement. Ok. Il y a juste Coco. Ce concours a été le 8 janvier et mon certificat médical s'est arrêté le 31 décembre. GG m'a donc engagée sous le nom de Lucie, qui a d'ailleurs fait un arrêt cardiaque en voyant qu'elle était engagée à un concours qu'elle ne voulait pas faire en 105. Oui, parce qu'évidemment, on a utilisé son nom sans la prévenir. Et comme ça, bah, j'avais le temps de faire mon certificat médical tranquillement. J'aimerais un petit pain, s'il vous plaît. Moi aussi, s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre un café, un long, et vous avez des croissants, vous avez que des petits pains? Oui, c'est pas grave, je vais prendre un petit pain. C'est ça, à peu près. Il y a Hermès Ryan, là. C'est Hermès. Bah, tout, tu l'as payé combien, ta couverture Hermès? 1 800 €. Elle a le tapis qui va avec aussi. Oh, bordel. Ah, mais putain, j'y arrive vraiment pas. Pourtant, tu vas à la salle de sport, non? Ouais! Hourra! Et pourtant, je vais à la salle de sport, hein! Marie, as-tu des conseils pour un bon concours sous la pluie? Mettre un couvre-linge sur du couvre-linge. Des bottes de pluie? Ouais, des bottes de pluie, mais ça, c'est de manière générale, il faut des bottes de pluie. Une bonne couverture, une bonne serviette pour son cheval. Putain, on dirait la patronne du camion, d'ailleurs. Tu me fais un dance? Un petit CRS comme ça, là. On dirait que tu vas danser. Danser? Ouais. Vas-y, danse comme tu danses au gold. Non. Petite Goldie, ça va? Ça va les pupus? Je vais te donner du foin, t'inquiète pas. On attend que Léa, elle sorte, Sushia. T'imagines si on avait des petits gradins chez nous aussi? Ça serait tellement cool. Allez-y, je serai coupé au montage, t'inquiète pas.
vrai, c'est difficile, je trouve. Tu sais, de filmer surtout. Moi, j'ai l'habitude, entre guillemets, maintenant que je parle tout le temps à ma caméra. Mais genre. De faire comme si elle n'était pas là. Et ouais, et je suis surprise à quel point tout le monde, directement, est assez. Ça dépend des gens, mais en vrai, notre génération, ça va mieux. Ouais, quand même. Mais genre, direct, tout le monde de la motte, bah, c'était chill. Même Flo, la maman de Manon et tout, genre. Tout le monde était super zen. Alors que c'est bizarre à la base, quand même, tu vois. Ça fait pas très naturel. Mais le compliment que j'aime le plus qu'on me fait sur mes vlogs, c'est qu'on dit que. Que c'est convivial. Oui, et qu'on a l'impression. C'est moi qui t'avais dit ça en fait. Mais en fait, oui, je me rappelle. C'est la première fois, c'est parce que t'as l'impression, en fait, t'es dedans. Genre là, quand on discute, les gens, ils ont l'impression d'être avec nous, quoi. Ouais. Bonjour, vous, ça va ? Ils bitchent avec nous, quoi. Vous pensez quoi d'ailleurs de. Non, on n'a pas bitché, non, mais on bitche pas. On a juste dit qu'il y a 2-3 Pokémon qui étaient passés en avant, c'est tout. C'est pas bitché. Non, on constate, c'est une constatation. C'est normal sur ces hauteurs où on apprend à faire du coup. Passé ma journée à faire ça. Juste pour info, Laure, sur Apache, ça fait un an et demi qu'elle fait l'équitation. Apache, c'est le cheval blanc. Ouais, que tout le monde kiffe d'ailleurs. Et ça fait un an et demi, ouais, sur tous les réseaux, tout le monde me dit « Ah, il est trop beau !» Laure fait de l'équitation depuis un an et demi. Ouais, c'est aberrant. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition du mot aberrant, la voici. Genre, c'est hallucinant. Et elle a déjà gagné des Club 3. C'est ça qui est ouf. Franchement, elle monte déjà super bien. Un an et demi en concours déjà. Oui, déjà, un an et demi de faire du concours au bout d'un an et demi, d'avoir envie de sauter, de pas avoir peur, c'est déjà un truc de ouf. Elle fait AE, donc c'est pour ça qu'elle monte beaucoup. C'est sûr, il n'y a pas de secret, il faut monter beaucoup pour progresser. Mais c'est vraiment hallucinant. Bon, Mathilde est sortie du manège, on va aller la voir faire son petit tour. Et il pleut de ouf. Galère à filmer aujourd'hui parce qu'il pleut de ouf. Du coup, je peux pas poser ma caméra comme ça dans l'herbe. Du coup, j'ai mis du foin à Goldie. Je vais la laisser encore genre 10 petites minutes au camion et ensuite je vais la sceller. Mais là, je vais aller aider un petit peu Fuchsia et Leia. Et je suis très contente de Goldie parce que là, je l'ai remontée sans problème dans le camion et pas de très loin. Elle a pas trotté rien. Non. T'es en rose, Fuchsia, aujourd'hui. Non, justement, je me suis dit qu'est-ce qu'elle va lâcher. Non. Est-ce qu'elle lâche ta. Ta voiture de moto, elle est ouverte ou pas? J'espère. Putain, je me suis pas arnaquée là. Au final, c'est moi qui sais le plus. Ah, je suis coincée. Pour toi, t'as pas ta bombe. Tu veux de l'aide ou ça va? Je suis vraiment coincée. Non, mais. Attends. C'est bon. Oui, mes protections sont un petit peu sales. Je vais être en retard, vous pouvez vous dépêcher s'il vous plaît? Oui, là c'est ma tête de cochon, pas content. Mais c'était quoi le. Enfin, elles étaient en train en de fait, rattacher. En fait, Goldie toute seule ne supporte pas être dans le camion, donc je pouvais pas la sceller. Du coup, je leur ai proposé de mettre leurs chevaux d'abord pour pas qu'elles attendent encore 20 minutes que je scelle. Je suis désolée de vous mettre la pression, mais je dois sceller en fait. Merci, désolée, mais je dois vraiment sceller maintenant en fait, moi. J'ai cherché mes affaires, j'arrive. Mais je peux pas. Attention à la fiche. Je vais chercher mes affaires. C'est galère, hein. Aujourd'hui, c'est galère, hein. Et malheureusement, quand je suis colère, bah Goldie, elle devient colère aussi. Du coup, elle a un peu gesticulé dans le camion, c'est pour ça que Marie a abandonné Crystal en bas et est allée faire des bisous à Goldie pendant que j'allais chercher mes affaires. Regarde, je suis là. Il y a Edelweiss. J'ai compris que j'étais bonne
Il est où Cristal? Il est dehors. Il a même pas remarqué que tu es là. Je voyais pas ça. C'est pour ça. Non, il est là. Merci pour la. Merci Marie. De rien. Il est là. Hé, ça suffit là. Donc, je suis là, moi. Ils sont excités aujourd'hui. Ouais, excités comme je sais pas quoi. Je suis là. Bon, Goldie. Elle est un peu excitée, du coup je vais me concentrer et me calmer avec elle parce que là je peux pas faire la caméra et là c'est tranquille. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors il faut que je me trouve un élastique, j'ai des élastiques à crin, il faut que je mette mes bottes et après que je cours au paddock. Et je crois que j'ai un peu une tache sur mon pantalon parce que j'ai mes règles. Mais c'est pas grave, comme dit au dernier concours, si ça m'arrive, je n'ai pas honte. Parce que c'est un truc difficile à gérer. Bon c'est bon, on a réussi à sceller mais je suis un peu saoulée parce qu'en fait il y a plein de gens qui me collent. C'est très gentil de vouloir me dire bonjour, mais en concours, en fait, j'aime bien être tranquille avec mon cheval. Je suis comme tout le monde, j'ai envie de profiter aussi de mon bonnet. Et je suis comme tout le monde aussi, je stresse pour mes tours. Goldie sent que je suis un peu énervée. Là, on va aller au paddock, on va aller voir si je dois me mettre à cheval ou si j'ai encore le temps de marcher. Est-ce que tu acceptes que je monte sur son dos là-dessus? Ok, non. Elle a l'air d'en avoir peur, je ne vais pas tenter le diable aujourd'hui. Est-ce que j'ai une trace? Non, enfin t'as des traces de gadou un peu sur le pantalon. Ouais, mais non, parce que justement c'est le début de mes règles. Et aussi mes règles, Julia. Ouais. J'ai mal au ventre. Bon bah tant pis si j'ai une trace, hein, ça arrive, tu vois. J'ai peur qu'elle le saute. T'as l'air un peu en galère, Julia, non? Non. Christou, enlève ta tête, on voit pas Julia. Je sais, t'es la star de la journée, mais quand même. Dessus. Tu vas où? Là-bas. Je vais aller voir si je dois rentrer au paddock ou pas. Ah oui, il fait froid. Il fait déjà moins froid que la dernière fois. Mais il y a toujours aussi peu de personnes. Mais bon, c'est normal parce qu'en fait, quand il y a personne, on a plus de chances de classer. Ou alors il y a que les bons. Ou alors il y a personne qui veut faire des coucous en hiver. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Ah ouais, courage les plus. Salut, merci, toi aussi. Oula. I can't breathe cause you push me back. I should have stayed away from you. It feels like I'm being attacked. I don't know what I'm gonna do. You're trying to improve me. Why you do that to me? I don't wanna be with you. Don't tell me that you're sorry. C'est le grand luxe d'avoir le bénéfice tout seul. Profite. Après c'est mort. Sorry, all you do is bother me. Don't know what I'm gonna do. I wanna run away every time when you're with me. You want me to stay just because you need me. C'est un grand luxe, j'avais le manège pour moi toute seule. Pourquoi d'un coup je ne suis plus en train de détendre Goldie? Parce qu'il était l'heure d'aller faire la reco. La puce elle est sans feu. C'est pas vrai. Si. Bravo, ah, j'ai plus de batterie, faut que je cours au camion avant la reco. Ça va, je suis pas toute seule. La reco elle est ouverte. Ouais, je vais faire la reco avec les sons. Il y a que moi qui suis studieuse. Action. Bon, on va se concentrer sur le parcours là. C'est bon, reco faite. On saute plusieurs fois les mêmes obstacles. Du coup, je vais me concentrer. Comme à tout, elle arrive à monter toute seule. Moi, je n'arrive pas à monter seule une fois GG en longueur d'étrier. Ça va, elle était sage? Ouais, très sage. Elle a bien marché d'une manière dynamique pendant 30 minutes. Là. Tu jettes dessus ou c'est bon? Non, c'est pas si je jette dessus. Allez. Mais à 3. Allez. 1, 2. On n'a plus de cheval. Oh non, mais. Ah. Allez, on détend. Vous allez me demander pourquoi j'utilise pas un montoir? Bah tout simplement parce qu'il y en a pas, parce que t'es censé rentrer dans le paddock à cheval. Ça c'était beau Julia. D'habitude elle peut pas. Restez vers là, sinon vous allez me faire des tas de conneries là. Michele, elle a pas l'air très maligne. 7, 8, 9, le 10 et le 11, ils sont super durs. Oui, genre c'est direct, faut tourner direct. C'est super chaud, je crois pas avoir une foulée. Do you care about the problems? Cause you never seem to focus on me now. Do you care about the problems? I believe I can fly. Mind. We
pouce ? Alors oui, je suis très fière de ce parcours, vous allez voir mes commentaires après, mais c'est pas pour ça que j'ai fait pouce. Charlotte a évidemment arrêté de filmer parce que c'était la fin de mon parcours. Mais j'ai fait une énorme connerie. J'étais dans une transe euphorique tellement grande que le premier truc qui m'est venu en tête, c'était de descendre de Goldie pour la récompenser. Mais j'étais encore sur la piste ! Et ce que je ne savais pas, c'est qu'on doit impérativement sortir de la piste à cheval. Donc GG m'a fait la morale, évidemment. C'était pour la récompenser en fait. Je le vois pas donc. C'était pour la récompenser en fait à chaque fois qu'elle fait rentrer là. À cheval. Ah d'accord, je sais. C'est comme ceux qui tombent après la ligne d'arrivée. C'est comme à la mode que je voulais descendre en étude dans la boîte. C'est comme si tu tombes après la ligne d'arrivée, c'est pas grave, par contre si tu te sors à pied, t'es éliminé. Il faut remonter, alors c'est plus ou moins emmerdant si t'as un A, c'est la taille de l'or, t'es dans la merde, mais t'as pas le choix. Par contre, t'as un Goldie. Elle est faite pour Linda en fait. Très beau parcours. Putain, t'as entendu, même la coach m'a dit très bien. Ouais, non, très bien. En fait, on va là-bas, mais le camion il est là-bas. Trop d'émotion. J'ai même aucun commentaire à faire, tellement je suis contente, ça se voit, non? Ouais, ça se voit. On va aller donner à boire à Goldie, on va le filmer. Parce que dernièrement, j'ai eu un commentaire qui disait que je ne donnais pas à boire à Goldie. Alors qu'il y avait une heure de vlog sur une journée de concours de 10 heures. Donc je donne bien à boire à Goldie, vous inquiétez pas. Mais elle aime pas trop boire par contre, mais je lui propose tout le temps. Mais en fait c'est ça, de regarder en l'air, ça change tout. Genre vraiment. Et tu sais, juste avant de passer, Jérôme m'a dit, enfin je lui ai dit, je crois que j'ai tourné trop court sur le 10. J'ai pas attendu, c'est normalement t'attends les 4 pieds au sol avant de tourner sec, sinon tu fais une barre avec les postérieurs. Et t'as besoin de faute. Non, j'étais 4 points. Oh bien, bravo quand même. Bravo quand même. Là j'ai réussi à attendre une foulée et j'ai tourné. Trop bien. Mais par contre j'étais un peu quand même désaxée. J'étais pas hyper bien axée sur le dernier. Franchement, c'était bien, un petit piste, tu vois, assez court. Ouais, les virages 2, c'était dur, et le virage 6, c'était super dur. Vraiment dur. Ah, je suis contente, 200 fois. Pauvre Goldie, elle devait rien comprendre. Hourra! Les plus championnes du monde! 200 fois pour moi, club 1 et club élite. Deuxième en club 3, quatrième en club 2, cinquième en club 2, deuxième en club 1. Ouhou, que des classements. Ouhou. On arrive la motte. 6 parcours, 6 sans faute. Et là, on va bientôt entendre le 6e classement. Boum. Goldie, viens, on te filme boire de l'eau. Voilà, regarde, il y a de l'eau. On a toujours de l'eau disponible pour les poneys. Voilà. Elle a même pas c'est juste qu'ils en veulent pas. C'est juste qu'ils en veulent pas, mais on en propose toujours, toujours. Et je ne le filme pas parce qu'elle en a rien à foutre. Voilà, elle préfère. Bon, après l'herbe est humide là. Oh my god, j'ai décelé, j'ai mis mes affaires dans l'herbe. C'est pas bien du tout, je déteste faire ça, ma pauvre selle là. Tu manges les restes des grains. Du coup, je crois que j'ai raté ma remise des prix parce que je me suis occupée de Goldie. Mais évidemment, je vais pas faire une reprise de prix avant Goldie, évidemment. Julia, elle est contente. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Je rêve de caser cette séquence depuis tellement longtemps. Je suis tellement contente. Mais je crois que ça s'est vu avant. Mais je suis trop contente. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vomir. C'est bon, nous ne sommes pas à refaire pour leur mise des prix. Deuxième, Léa et Fuchsia. Cinquième et dernière classée, Julia et Ben. Et là, je venais d'apprendre que j'avais remporté la Club Elite. Et donc, il y a une épreuve, Julia. Et là, le moment redouté. Pendant que Léa et Mathilde s'amusent avec la caméra, moi, je passais un petit quart d'heure règlement FFE. La juge m'a donc expliqué très gentiment que c'était interdit de descendre sur la piste de son cheval et qu'elle préférait clairement faire de la pédagogie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai laissé dans le vlog, j'aurais pu le cacher. Mais après en avoir parlé autour de moi et à mes amis sur les réseaux sociaux, ben, j'ai constaté que tout le monde n'était pas au courant. Donc j'ai pensé que c'était quand même une bonne idée de le rappeler à tout le monde. Bon, je vous laisse avec Mathilde et Léa maintenant. Encore ? Ding ! Putain, faut te mais c'est qu'elle est trop forte la puce de luxe. En fait, dès que j'ai fini mon tour pour dire bravo à Goldie, je me suis dit.
Ah bon? Oui. Elle m'a dit à non. Ah, toi non plus, tu ne savais pas. Tu me jettes d'elle parce qu'il faut la récompenser tout de suite, tu vois. Oh, j'ai gagné la cavalerie. C'est trop génial. Je pourrais acheter ma photo de moi qui est du macho. Très du macho. Évidemment, vu que j'avais une petite photo gratuite, bah on a attendu pour regarder les photos et j'ai choisi celle-ci. Et je la trouve trop trop belle. Ramène la coupe à la maison. T'as une coupe? Non. Mais non. Il y a qu'à Vigevillers qui a des coupes. Ah. Mais en vrai, les coupes c'est cool quand tu les gagnes, mais après ça fait chier quoi. Non, vas-y, mets au-dessus de mon lit. Après je dors bien. Et le jour où ça tombe, non. Non, parce qu'on n'a pas de coupe. Défigure à cause d'une coupe. Ah mais. Mais attendez, mais ça sentirait pas la victoire ici? Ça sentirait pas les podiums? Ça sent le classement! On se la pète un peu là quand même. On a le droit. Ça va sentir bon dans la voiture après. Vous inquiétez pas, d'habitude on est humble. C'est parce qu'on est non, mais j'ai envie de dire, Léa, franchement, t'as vraiment le droit de te la péter, toi. Ouais, genre vraiment. On mérite aussi un peu. Ouais, pour toutes les tôles que tu t'es déjà prises et ce que t'as déjà tout vécu, t'as le droit quand même. On mérite. Bon, j'avais posé mes affaires de winneuse dans la voiture winneuse. On est une team de winneuse. Voilà, de winneuse. Et on a la voiture. Et ce soir, on mange au resto entre de winners. Voilà. Uniquement les winners sont autorisés. Ouais. Elle a le foin entre les jambes. Il y a quelqu'un qui est toute calme maintenant. Oui. Et si un jour j'arrive à la monter parfaitement? Si. Mais il y a un bassin entre ZZ et Goldie? Ouais. Ah oui. Il y en a deux en fait, j'en ai mis deux pour lui faire un boss. Ok, ah oui, oui. Ah oui, ok. Mais. Oui. Viens, on fait la fête. Est-ce que vous savez si quelqu'un a filmé mon tour de club 1? Moi j'ai. T'as? Ouais. Est-ce qu'on entend la cloche ou pas? Non, moi j'ai filmé. Mais du coup, t'as quand même fait Fuchsia, je suis là. Alors, j'ai fait mon tour, mais du coup. Ah, mais ZZ, il donne du coup à Fuchsia. Oui. Au moins, t'as rentabilisé ton engagement, mais pour les points pour la masse. Mais du coup, ouais, voilà, tu vois, je. Oui, c'est surtout pour ça. Maintenant, elle vient en franchise ce soir? Oui. Bah, c'est elle qui avait proposé. Enfin, si elle a pas un massage rajouté de 18 à 19, elle vient. Oh, mais Goldie, tu peux éviter de me taper, s'il te plaît. Tu te rappelles, Léa, dans un vlog, elle fait pareil avec toi? Les luxes. Mais ça vient d'où les luxes? Alors ça, attends, c'est filet. Le filet ne se mange pas, Goldie. Les luxes. Non mais arrête. Plus tu dis arrête, plus elle le fait. Putain, je m'en veux d'avoir écrit dans la story j'ai remporté au lieu d'avoir marqué on a remporté la cavalerie. Oh putain. Matou, c'est pas ta voiture hein? Non, c'est pas la tienne. Alléluia. Mais il s'est passé quoi? Il se passe quoi? Je suis allée voir Goldie, elle va bien, il pleut plus, donc du coup je vais bientôt la sortir, mais juste avant je dois filmer Marie. Ah bah en fait ensuite on y va en fait, je suis con parce que Marie c'était la dernière de la journée. Okay, je commence à avoir super faim là. Bah non, parce que... voilà, belle. On va ranger la caméra, ça commence. Ce chien est incroyable. Même heure, donc il y a exactement la même quantité. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous laissez gonfler 5 minutes. Et après, avec une fourchette, il faut égrainer et vous mettez plein de beurre. Et voilà, c'est prêt. Ok? Chaud ici que dedans. Hein. J'arrive. On lui a fait un box. Bah oui, mais attends, bordel. Ah, et non, il y a un truc. Est-ce que quelqu'un a prévenu Jérôme, ouvre bien tes yeux. Mais c'est pas grave. Ok.
pire, mettez-le là comme ça. Faut arrêter de gagner comme ça aussi. Mais non, oui. Là, mais c'est voilà, c'est de refaire, voilà. Vous êtes oui. Ma photo! Oh pardon, j'avais pas vu qu'il y avait ta photo. Bah non, mais si, c'est chiant. Mais non, on est même pas serré là. Pas reculé. Tu l'as cassé, Kira. Béa! Béa! On est pas quitte. Si Camille est partie alors qu'il doit y avoir l'équipe. Moi j'ai toujours été choquée des gens en concours, tu sais, qui gardent leur voiture comme ça et tout. Ils ont zéro stress pour leur caisse avec les chevaux quoi. Je vois pas la première fois que je suis venue à un concours et moi j'étais en stress. Laure, ça fait 20 minutes qu'elle essaye de faire sa couette. Un peu, ouais. Je te mets la pression, en plus je te filme et tout. Merci, ah, vraiment des super belles photos en tout cas, elles sont vraiment très très belles. Hein. Big up à toi, si tu passes par là. Je suis célibataire. Mon numéro c'est 06. Ah, tu l'as, il est sur le petit. Ah oui, il est sur le compte. N'hésite pas à me rappeler. C'est Veya et Matou. Salut les puces. On vous fait plein de gros bisous et on se retrouve au prochain concours et on va essayer de casser encore. Parce que là c'était top, j'ai adoré cette journée. Ouais, moi aussi on a adoré. Ça serait bien que ce soit comme ça tous les week-ends. Bon bah on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut. Way my hands feel on your body, way we're dancing in the dark. With every move I make you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take you're falling. Ah bah t'arrives parfaitement à l'heure pour l'apéro. Time for romance, baby, I'm meant to lead you on. Not looking for something steady, not ready. Here's your time to shine, show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. We were dancing in the dark. Alors j'ai gagné un tapis. Et en plus il est beau. Tu sais que c'est le premier tapis que je gagne de ma vie. Je crois que j'ai un pot de graisse. Black of Graze. Alors ça c'est un mystère, je me suis dit peut-être qu'ils veulent une pub dans mon vlog. Merci beaucoup, j'ai gagné le challenge TDD avec Versailles. En plus c'est biche normalement. Mais oui c'est biche. Et après j'ai eu du mash. Ah, du mash de shampoing. Ouais le shampoing et des chocolats. Et ça aussi c'est trop bien. N'oubliez pas de mettre un pouce là et de souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, abonnez-vous juste en dessous, plein de gros bisous et je vous dis au revoir.